Il est à peu près temps que je m'adonne à ouvrir une booster box de cette nouvelle série. Guys, ça fait pratiquement... quoi? Quasiment une vingtaine de jours que Soul and Shield est sorti. Toujours pas oublié... oui, j'ai oublié. Mais j'ai toujours pas ouvert une booster box. C'est maintenant que ça se passe. Hey, salut tout le monde, ici Megara, bienvenue en Unboxing Guys. Sans plus attendre aujourd'hui, on passe à l'ouverture d'une booster box. Ah, ça fait un bout que j'ai fait une booster box, puis je suis vraiment content de la faire aujourd'hui. L'ouverture d'une booster box de la série Sword and Shield, puis ah, comme j'aime sortir toutes ces boosters-là, puis de les contempler avant de les ouvrir. Oh my god, puis ils sont tellement parfaits, ils sont tellement droites. Alright, laissez-moi ouvrir. Yeah, alright. Puis oui, depuis que j'ai commencé la chaîne, je garde toutes les boîtes de boosters que j'ai ouvert, les displays, parce que je les aime juste trop. Donc, guys, vous connaissez la règle, c'est-à-dire que, je me souviens, à chaque fois, 36 ou 38? 36, il me semble. C'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, 36, donc ça veut dire 9 packs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 packs vont être ouverts normalement, c'est-à-dire sans vraiment aller directement aux cartes les plus importantes du paquet. On va essayer de les décortiquer un peu. Puis, la moitié des cartes code vont être à vous. Le reste, je m'en garde un petit peu, parce que il faut bien un petit peu de code une fois de temps en temps. Guys, sans plus attendre, l'aventure Sword and Shield avec une booster box commence dès maintenant. Votre code à vous, on commence avec une carte verte malheureusement, mais j'ai espoir qu'on va trouver quelque chose d'intéressant dans cette boîte là. Donc on a une énergie de type Ground, Rock, Fighting. On commence avec Pikachu, Sinistee, Wooloo, Shellder, Croagunk, Dabool, Doctrio, Switch, un Reverse Holo, Drizzle, que j'aille pas pantoute parce que j'adore les Reverse Holo de cette maudite série-là. Et un Lapras Regular Rare. Guys, je veux, maintenant que les commentaires sont réactivés sur les vidéos, j'en reviens pas à quel point que j'ai pu ne pas m'en rendre compte pendant un gros bout de temps. Une carte blanche pour vous et votre code. Mais maintenant que les codes, oui, maintenant que vous avez les codes, mais maintenant que les commentaires sont activés sur la chaîne, on a l'énergie de type Fire. Laissez-moi savoir dans la section commentaires en dessous à quel point vous êtes investi dans la nouvelle série K-Sword and Shield, à quel point vous êtes tombé dedans. Est-ce que vous avez déjà complété votre collection? Ce qui m'impressionnerait, je veux le savoir. À quel point est-ce que vous avez avancé la collection? À quel point vous avez monté déjà des decks par rapport à ça? Je veux le savoir. Laissez-moi le savoir dans la section commentaires en dessous. Puis, laissez un petit like si vous avez entendu ça. Je suis toujours content de voir que des gens laissent des likes. Donc, on a un Galarian Meowth, Scorbunny, Sinistee, Maractus, Pikachu, Rare Candy, Lucky Egg, Mantine. Ooh, alright. Reverse Holo, Rhydon et... un Professor's Research. Ooh. Alright. Alright. J'adore les Holo Supporters. Je sais pas pour vous, guys, là. C'est quelque chose qui me rend heureux. Puis le Reverse. Je m'excuse, mais le Reverse Holo Rhydon. Je l'adore. Puis le, les Art. C'est encore Tetsuya qui a fait ça. Non, il s'appelle Kei. Il s'appelle Keichiro Ito. Keichiro Ito, ton art de Rhydon est vraiment nice. Quoique je doute qu'il va écouter cette vidéo-là, surtout qu'elle est japonais. Donc, on a une carte blanche encore. Oh yeah, ça va bien. 1, 2, 3. Est-ce que la méga chance sera avec nous dans cette vidéo-là? Ça reste à voir. Mais on a une énergie de type Steel. Et pour ce paquet, on a un Golding, Diglett, Scorpy, Hoothoot, Scorbunny, Sea King, Twacky, Lucky Egg, Reverse Holo, Clawopus. Il y a combien de... ouh, ok, il y a 10 additional cards là-dedans. Il n'y en avait pas 11 avant.
me semble que ça va plus vite. Le solo Club Opus. Laissez-moi savoir dans la section commentaires en dessous si ils ont changé le nombre de cartes additionnelles dans ces paquets-là. Il me semble que c'était plus que ça avant. Je suis comme confus. Mais bref, le solo Club Opus. Hey! Alright! Ça commence bien. Deuxième paquet. Non, troisième paquet. On est déjà rendu à deux cartes spéciales, c'est-à-dire un Lapras V qui va nous permettre d'aller chercher nos Lapras V Max si on finit par en attraper. Alright. Il est beau. Je l'aime. Alright, alright. Je sens que ça va être une belle ouverture, tout ça. Si on prend quoi, juste des gardettes. À partir de maintenant. J'ai foi en Sword and Shield. L'énergie de type Dark. Donc, on a un Rhyhorn. Roselia, c'est ça. Ferroseed. Krabby. Galarian. Zigzagoon. Reboot. Lamberry. Aurora Energy. Reverse Holo. Silcobra. Et un Trapion. Regular Rare. Plus que quelques paquets, guys, avant de passer à la vitesse grand V. Puis d'aller chercher exactement toutes les cartes qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire des cartes V, des cartes Secret Rare, Rainbow Rare, Full Art, Holo, name it. On a une carte de code blanche, guys. Puis votre code à vous est drette là. Alright, énergie de type Grass. Montre-moi quelque chose de beau là. Silcobra, Mincino, Vulpix, Muna, Roselia, Energy Retrieval, Eat More, Drizzle, ooh yeah, Reverse Holo, Marnie, hey, un, ouais, alright, ça va bien, guys, ça va bien, ça va bien. C'est pas des V Max, mais c'est quand même des V. Puis ça m'intéresse. Donc Zacian, V, très content. Puis ce n'est que le début de l'aventure. J'ai l'impression que ces cartes-là, c'est un peu comme les cartes Prism, c'est-à-dire sont pas tout à fait hyper rares, mais on a une carte verte malheureusement, sont pas tout à fait hyper rares, mais on est toujours content d'en trouver. C'était comme les Pokémon qui pouvaient évoluer, qui pouvaient méga évoluer dans la série XY. J'imagine Galarian, Meowth, Sizzlipede, Wooloo, Grookey, Sobble. Est-ce que je me suis... Ben oui, gadon. On va tasser ça ici. Yeah. Tout bien faire un peu plus de lumière. Donc, comme je disais, Sobble, Crushing Hammer, Switch, Ferrothorn, Reverse Holo Rare Candy, et un Morpeko Regular Rare. Plus que 3 packs, guys. Puis, on accélère la vitesse à la recherche de cartes intéressantes. Carte vête, malheureusement. De trouver quelque chose de... Ouh, j'haïs pas la carte de Poison et Psychic. Elle a un bel effet. Elle a vraiment un bel effet. Donc, Roselia, Gastly, Ponyard, Sizzlipede, Yamper, Rare Candy, Lumberry, Carve Squire, Reverse Holo Goldeen et un Drempa Regular Rare. Je pense que je l'ai pas assez dit. C'est pour ça que je vais leur dire. L'emballage de Sword and Shield est vraiment de qualité, puis j'adore ça. Oh my god, encore une carte blanche. Yeah! Je sais pas si c'est parce que j'ai eu vraiment de la mauvaise chance depuis quelques mois. Je dirais depuis la dernière année. Peut-être. Je suis pas habitué de voir autant de cartes blanches que ça dans un unboxing d'une booster box. Je ne comprends pas une énergie de type Steel. Donc, gars, c'est Fleur. C'est Cobra. Yamper. Krabby. Coffin. Dubwoot. Quillfish, Pokekid, Reverse Holo Drempa et un... Ouh, alright! Un Boltund Holo! Yeah, alright! Ça va mettre ça à côté de l'autre Holo qu'on a ici. Dernier pack un peu plus lent, guys. Puis... Ah, yeah! On s'en va directement sur qu'est-ce qu'on veut. Ça finit avec une carte verte, malheureusement. Mais j'ai confiance qu'on va trouver quelque chose dans ce qui s'en vient, parce qu'on est juste rendu au 1 quart de la booster box. Une énergie de type Water pour vous. On a Chewtle, Blipbug, Rhyhorn, Clobopus, Goldeen, Ordinary Road, BD ou Bead, peu importe comment que vous le prononcez.
Qu'est-ce qu'il faisait déjà? Attach a basic energy card from your hand to one of your bench Pokémon. Ok, fait que tu peux mettre une carte d'énergie sur un de tes Pokémon qui sont benchés. Intéressant. Reboot. Ouh, Reverse Holo, Vitality Band et un. Ouh, Starting Journey. Regular Rare. Mais je vais mettre ce paquet-là ici avant que ça devienne une montagne. Puis maintenant, guys, on passe à une vitesse un peu plus rapide. On va y aller, Greedy. Carte blanche, votre code à vous. Ouh, ok. Reverse Holo, Galarian Berserker, énergie de type Fire. C'est moi qui sleevé ce Galarian Berserker-là. Il est cool. Je l'ai eu pendant un certain temps dans mon équipe, dans ma game de Sword. Je l'ai pas regretté. Ça a été un bon Pokémon de type Steel. Yeah, yeah, yeah. Alright, donc, on a Reverse Holo Cottony, un Octowl, Regular Rare, une carte d'énergie de type Poison slash. Oh, c'était ça. Ouais, c'est ça. Poison slash Psychic. Yeah. J'adore ouvrir des boosters ensuite de l'autre. Reverse Holo Galarian Meowth, un Regular Rare Clay Doll, énergie de Tips. Tips Psychic. Votre code à vous. Alright. Les potentiels de ces booster box là. Reverse Holo Tortonator, Orbital Regular Rare, une carte de type O. Votre carte de code à vous. Ça fait une coupe qu'on pogne avec juste des cartes vertes. J'aimerais ça une petite surprise. Reverse Holo Frostmoth. Oh, je l'aime, Frostmoth. Yeah, alright. Galarian Rapidash Regular Rare. Malheureusement, une carte d'énergie de type Dark et votre code. Vous, j'en veux plus. Bring it more. Reverse Holo, Metal Saucer. On a un Cinderace. Il me semblait que c'était pas un Cinderace. Cinderace, alright. Guys, vous pouvez pas m'en vouloir. C'était mon starter que je détestais le plus. Donc, désolé pour ceux qui aiment Cinderace. Probablement parce que je déteste. Ouh, faudrait que je livre ça. Parce que je déteste le soccer. Puis ça m'inspire pas du tout un Pokémon basé sur le soccer. Laissez-moi placer ça. Tiens, ici. Alright. Mais très content de l'avoir dans la collection pareil. Très content. Donc, on poursuit l'aventure. Oh yeah! Oh yeah! Alright. C'est une full art ça? Eh oui. C'est une full art. Énergie de type Electric. On avait un Reverse Goldeen dans le tas. Et votre code à vous, guys, ça, ça me fait plaisir. C'est une full art. C'est pas, c'est une, non, c'est pas une Rainbow Rare, pas du tout, pas une miette. C'est Blivy, full art, avec des couleurs vraiment psychédéliques. J'adore ça. Ça, ça rentre ici. Ok, parfait. Alright. Ah oui, carte blanche encore. Alright, votre code à vous. Qu'est-ce qu'on a? Alright, une carte Delmice V, puis un Silcobra en Reverse Holo avec une carte d'énergie. Ground Fighting Rock. Laissez-moi sleever ça. Comment ça manquait de sleeve? Qui l'eût cru? Qui l'aurait cru? Alright. La vie. Je la mets où la vie? Alright, comme ça. Toutes les vies vont être ici avec notre vie full art là. Ah! Ah, j'aime ça. Alright. Ça va bien. Guys, on est rendu à la moitié de ce booster box là. Puis on a déjà à ce point des cartes intéressantes. Donc, Reverse Holo, Lumberry, un Regular Rare, Jenna. On peut pas avoir juste des cartes blanches, guys. On a une énergie de type Fire. Et votre code à vous. C'est moi. On enlève un peu. Puis. Ah. Ok. Ça paraît que je suis un peu fébrile là. Oh non, ça sera plus dans le cadre si je les envoie là. Alright. Ça, ça va être juste parfait. Good, good, good. Guys, je sais qu'on peut en avoir encore plus, puis c'est ça qui m'excite. Oh yeah, j'aime ça. Une carte verte, malheureusement. Ça va pas. Non, je fais pas le card trick. On passe direct à qu'est-ce qu'on. Ouh, ok.
Reverse Holo, Gengar. J'ai pas ça. Puis un Whimsicott, Regular Rare. Oh yes! Oh yeah! Bon, ce Reverse Holo là m'a fait bien plaisir, même si on a eu une carte verte. On a encore une carte verte, malheureusement. Oh merde! Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a Reverse Holo, Air Balloon, Poltegeist, pardon, Regular Rare. Oh. Qu'est-ce que ça nous réserve? Oh, je pense qu'on est dû pour une holo là. Blipbug en reverse holo. C'est ça, je me disais. Oh, encore Professor Search. Alright. Énergie de type. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Big Charm. Ok. De type Poison slash Psychic. Laissez-moi sliver ce Professor's Research là. Alright. On a deux. Deux! J'aurais pris une Rainbow Rare à la place, mettons. Hein? Carte verte. Reverse Holo, Rocky D. Cinderace, Regular Rare. Un jeu de type Steel. Yeah. Alright, une carte blanche. Ça s'annonce bien. Surtout, vous avez un code à vous. Quelque chanceux. Metal Saucer, hein, Reverse Holo. Je l'ai déjà pas. Je pense que j'ai déjà pogné. Puis, oh yeah, notre première VMAX, guys. Notre première VMAX sur ce channel. Oh yeah. On commence nos VMAX avec Snorlax VMAX. Oh, content. Vraiment content. Alright. Continue à me dire que Caméra rend pas justice à la carte si elle n'est pas. Si elle est dans les sleeves. Mais ah oui. La carte est merveilleusement belle. Donc ça nous prend un Snorlax VMAX pour pouvoir jouer cette carte-là, malheureusement. Puis je suis pas sûr qu'on l'ait trouvé jusqu'à présent. Je pense que oui. Une carte verte. Je pense qu'on l'a quelque part. Donc Krabby Reverse Holo, Stone Journey, Regular Rare avec une énergie de type Dark. Peut-être bien enlever une coupe d'énergie. On commence à faire un bon paquet. On continue, guys. On a passé la moitié. Ça fait un petit bout. Carte verte. Oh. Faut juste avoir des cartes blanches, mes gars. On a Snorlax ici, mais il n'est pas vie. Malheureusement. Puis on a Reverse Holo, Regular Rare 1, Teevil. Énergie de type Grass. Alright. Je vais en enlever un petit peu. Je vais en enlever un petit peu avant que ça devienne une tour à n'en plus finir. On est capable d'avoir des bons pools. Yes, une carte blanche. Yeah. On a un Reverse Holo, Citrus Berry. Hey, yeah, Morpeko V avec une énergie de type Electric. Oh yeah. Plus qu'on a des cartes V, guys, plus que je suis heureux et content. Et fou comme la marde. Donc, comme ça. Alright. Yeah. Faut juste que ça fit dans le frame. Alright, c'est parfait ça. Morpeko V. Votre code, à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a Reverse Holo Ghastly pour aller avec notre Gengar de plus tôt. Puis un Raichu Regular Rare. Alright, ouh, Dottler, cool. Alright. Yeah. Là, c'est toujours le moment. Une carte blanche, yeah, pas de code. C'est toujours ce moment-là, dans un unboxing de Booster Box, où ce que... Oh my god, je m'interromps. Reverse Holo Shellder et... Ok, j'ai rien dit. Alright. Énergie de type Electric. On fout ça tout là. On a un Lapras VMAX Rainbow Rare, guys. Fucking Rainbow Rare. Ah oui! Oh oui! Oh yeah! Alright! Un focus s'il vous plaît. Une carte merveilleuse. Vraiment content. Aucune idée à quel point qu'elle peut valoir cher en ce moment, mais je suis pas sûr que ce soit celle-là qui vaut le plus. Honnêtement, là, on va mettre ça ici. Yeah! Alright.
Ah, yeah, on était dû pour une Rainbow Rare ou une Secret Rare ou whatever dans cette lignée-là. On avait déjà notre V-Max Full Art. On avait déjà une V Full Art. Non, c'est pas une Full Art, cette V-Max-là. C'est une V-Max normale. Ok, laissez-moi mettre ça en priorité. Et voilà, là tu jases. Alright. Qu'est-ce que tu dis là, mes gars? T'es dans le champ, mes rêves. Alright, mais comme j'allais dire avant d'être interrompu parce que t'as Lapras V-Max Rainbow Rare là. On a atteint un moment dans la vidéo. Reverse Holo Gossifleur, Durant, Regular Rare. Y'a pas d'énergie? Oui, ok. On a atteint un moment dans une vidéo d'unboxing de Booster Box où j'ai passé au travers des choses que j'avais à dire. Mes sujets sont devenus un peu amoindris. Et donc, ça fait un commentaire d'unboxing un peu plus... Qu'est-ce que je fais là? Un peu plus... monotone. Malheureusement. Reverse Holo, Salazzle et Jumper Regular Rare avec une énergie de type feu. Ce qui fait en sorte que... Je dis absolument juste les cartes qu'on trouve. Puis, les sujets sont moindres. Malheureusement. Donc, une carte de type blanche. C'est une colle. Pas de type. Ouais, de type blanche. Bravo, mes gars. Donc, ce qui m'amène à vous demander, guys, si vous écoutez en ce moment, puis que vous vous sentez moindrement investi dans cette chaîne, partagez-moi dans la section commentaires en dessous le genre de sujet que vous aimeriez que j'amène durant les vidéos qui pourrait me servir de sujet plus de dernier recours advenant que j'en arrive à ça durant mes unboxings de Booster Box. Mais, guys, je veux bander plus avec vous. Je veux être plus proche de vous. Puis, je veux savoir ce que vous voulez pour la chaîne. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'investissent dans les commentaires. Mais vous, qui m'entendez maintenant, puis qui vous êtes investi un petit peu, laissez-moi le savoir dans ces commentaires en dessous. On a une Pokégear 3.0, un Reverse Holo et un autre Bolton. Oh là. D'accord. Si vous le dites, un autre Bolton. Oh là. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est les deux cartes qui étaient une à côté de l'autre que j'ai en double. C'était même pas prévu. En fait, je vois pas comment j'aurais pu prévoir ça. Un peu étrange. On arrive vers la fin de ce unboxing là, guys. Des bons pools. Mais j'aurais aimé mieux en avoir plus. Comme d'habitude. Mega n'est jamais content. Reverse Holo Ferroseed. Un Sandy Scorch Regular Rare. Puis, il n'y a pas d'énergie. Ouais, énergie de type Steel. Hein, parce qu'on a Stunfisk. Galarian Stunfisk. Alright. Ah, plus que. Avec celui que je suis en train d'ouvrir là. Plus que 4 packs. Puis, j'ai pas l'impression qu'on a eu assez. Mega est avare. Carte blanche, votre code à vous. Encore une possibilité de quelque chose d'intéressant. Wooloo Reverse Holo et un. Ouh, ok. Notre Sableye V. Pour aller avec notre Sableye V. Full Art. On aurait eu les deux. Puis je suis pas déçu, guys. Alright. On va le mettre ici parce que c'est pas mal les dernières. Oh, je pourrais mettre ça de même. Puis comme ça, ouais. Mega, c'est un pro dans l'organisation. Du display de ses cartes. Alright, alright. Oh my god. On a quand même eu des bons pools, guys. Je ne suis pas déçu. Ça n'a pas été une. Qu'est-ce que je fais là? Ça n'a pas été une booster box achetée en vain, je trouve. Reverse Holo, Muna et un Stone Journey Regular Rare. Je trouve que les pools étaient vraiment intéressants. Peut-être que si j'achète un autre. Où est-ce que je vois? Peut-être que si j'achète un autre booster box, peut-être que je serais pas aussi chanceux. Ou peut-être que je vais être encore plus chanceux, en fait. Fait que je me trouve quand même relativement... quatre vertes. Dommage. Relativement chanceux d'avoir eu cette booster box-là parce que les poules étaient bons. Reverse Holo Rhyhorn, Regular Air, Raichu, une carte d'énergie de type Grass pour notre dernier booster, guys. Est-ce qu'on peut prier pour avoir... Ah, ça serait bien... De pouvoir avoir une dernière carte blanche. Quelque chose d'intéressant. Je sens que ça va être une carte verte pareille.
parce qu'à chaque fois qu'on le souhaite, ça arrive pas. Ouh. Ouh. Je viens de me faire... Je viens de me faire contredire. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant? Ça va être une holo. Ça peut pas être... J'ai le goût de faire le card trick pour la dernière. Énergie de type electric. J'ai le goût que ça soit spectaculaire advenant que, bien entendu, on attrape quelque chose de vraiment intéressant. Mais, d'après moi, c'est une holo. Donc, à la limite, une vie. Ça peut pas être quelque chose de plus que ça. Ça serait vraiment trop hot comme finale. Donc, on a un Rhyhorn. Rookie D. Krabby. Rookie. Mud Break. Energy Search. Quick Ball. Oui, je prends vraiment mon temps. Galvantula. Alright, on y arrive là. Reverse Holo. Rhyperior. Ça va être une holo. Non, c'est quand même une vie. Quand même une vie. Donc, on a quand même fini ça d'une belle façon. Oh, attendez une minute là, il y a un Regirock. Right! Les Regis vont revenir dans l'expansion de Sword and Shield qui va sortir en juin. Donc c'est legit. Ici on a un Pokédex Galarian. Regirock, vie pour notre dernière. Guys, quand même, laissez-moi faire un petit peu de ménage là-dedans là. Mais ça a quand même été une booster box intéressante. Vraiment, mais vraiment intéressante. On a... Vous avez pris vos codes, anyway. Alright, donc, on a eu. Comment est-ce que je peux mettre ça en ordre? Ça, c'est les plus intéressants. Alright, donc. On a. Ouais, je vais finir par y arriver. C'est tout des holos. Comme ça. Puis nos trois ici, dans le bas. Donc, on a eu, pour qu'est-ce qui est holo, deux Professors Research, deux Bolton, un Galarian Berserker et un Cinderace. Pour tout qu'est-ce qui est vie, la section vie, on a eu un Sableye, vie, Regirock vie, Morpeko vie, Delmise vie. Delmise était là. Oui, c'est vrai, Delmise était dans Sword and Shield, en effet. Il est tellement passé vite que je l'ai oublié. Zashen vie, puis Lapras vie, puis pour nos plus rares, on a eu un Snorlax V-Max, je suis vraiment content d'avoir celle-là. Je suis vraiment content d'avoir la première carte V-Max. J'aurais aimé ça en avoir plus. Mais le nombre de vies me contente pleinement. On a un Sableye V Full Art que j'adore vraiment beaucoup. Puis notre pêche d'aujourd'hui, guys, étant ce magnifique Lapras V que je ne m'attendais pas du tout à trouver. V-Max, en fait. Lapras V-Max. Je reviendrai pas bien parler. En Rainbow Rare. Guys, si vous avez apprécié ce magnifique unboxing de la série Sword and Shield, d'une booster box en fait, laissez-moi le savoir dans les commentaires en dessous. Mais aussi, laissez un like, un comment, abonnez-vous, toutes ces bonnes choses-là, tout grandement apprécié. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo pour plus d'unboxing. On se revoit mardi pour un mardi relax. Guys, merci d'être là après ces quelques années. Puis, merci encore. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!